Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur RimWorld. Alors, j'ai bégayé déjà dès le début, le mec bégaye, hein, insupportable. Bon, je vais bourrer un peu de RimWorld ce week-end là. Je vais faire un épisode aujourd'hui, un samedi matin et un dimanche matin. J'ai un peu de temps libre, j'en profite. Donc, on va tourner un petit peu histoire d'avancer. Alors, on commence déjà. Ma petite piste magique, elle est où, bordel? Elle est là. Alors, oui, il y a Malezo et Dédicace qui m'ont conseillé d'aller dans le truc des vêtements. Hop, de régler, voilà. Ah, ça doit être ça, la barre de trucs. Ok, rechercher juste les vêtements qui ont 51% de points de vie. Voilà. Comme ça, ils comptent pas ceux qui sont éclatés. Les pourris. Après, normalement, les pourris, ils sont recyclés direct. Hein, jusqu'à 40. Hop, faut que je mette à 50 au moins, non? Ouais, jusqu'à 50, je pense. Normalement, ils sont recyclés directement. Parce qu'on a beaucoup de monde sur l'artisanat. Mais quand même, on va régler ça comme ça. Hop. 51. Hop, 51. Voilà. Ok, ça c'est bon, ça roule. Ensuite, alors. Bonnard qui m'a dit Hugo. Hugo, apparemment. Ah oui, bien vu, Bonnard. Putain, t'as l'œil, gros. Hein. Hop, il était en gros médicament. On va vérifier tout le monde au passage. Bon. Oui, il y a un truc là, je crois. Oui, voilà. Bon. Calmez-vous. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que tout le monde est en. Sauf Hugo. Pourquoi Hugo, il serait pas en. Oh, il va casser les gueules, Hugo. Bah oui. Ça c'est bon. C'est pas l'auto-soin ça normalement? La chose utilise la meilleure médecine. Ignore le cadre de soins médicaux. Cliquez pour ordonner. Quoi? Faut que ce soit activé ça? On va le mettre juste sur le dock. On va le mettre juste sur le dock. Ensuite, on va parler de ça pour ces armes là, qu'on était full bugué. Enfin, qu'on était full bugué, non. Dites-vous toujours, hein. Comme je le dis souvent, c'est jamais le jeu qui est bugué, c'est moi qui comprends rien. Donc ne m'écoutez pas. Use ranged weapon. Use weapon according to. Donc ça doit être en fonction de leur skill. Ah! Et c'est pour ça qu'il y en a qui me cassent les cacahuètes là. Non, non, mais vous mettez tous en. Quand je vous dis de vous mettre en range, vous mettez en. Vous utilisez les armes à. Ouais, calmez-vous, vous m'avez compris. Voilà. Sinon, en fait, ça, ils choisissent ce qu'ils préfèrent. En fonction, je suppose. Voilà, 12. Donc tu vois, il est meilleur en tir, donc il préfère. Ok. On va voir avec qui on est emmerdé par exemple. Je vais forcer. Je vais quand même tous les forcer, les ranges, à garder ça. Mais je croyais qu'il y en a un, il me cassait. Voilà, genre par exemple. Voilà, lui. Voilà, exactement, vous voyez? Bon, il y a cette traduction de mort, là, on voit rien. Mais c'est en orange, parce que là, il doit choisir, en fait. Et lui, il préfère ça. Donc, hop, là, je le mets en ça. C'est qui? C'est Croblant. Pourquoi Croblant? Oui, parce que t'as une petite passion, mais tu tires mieux, gros. Là, tu vas rater tes conneries, et tu vas venir. Je l'ai raté. Il y en a, gros. Et tu vas venir équiper ça en arme secondaire. Et là, on devrait plus être emmerdé. Les accélères. Il se passe rien sur la map, c'est bon, on n'a pas de zombies, on n'a pas de raids cette fois. Non, ça a l'air ok. Ça sera réglé, je vais en. Peut-être. Non, je vais sûrement oublier. Voilà. Et là, il garde son flingue là et il passe. Ok. Merci les petits amis, ça c'est cool. Ça c'est cool. On va tous expliquer un petit peu ça dans les commentaires. Je vérifie juste qu'ils aient tous une arme secondaire. Ouais. Bah. Ah oui, non, mais Robin, ok. T'es où, gros? Robin, c'est un cac. Ça, vous me le rangez, en plus c'était médiocre. T'as quoi comme arme au corps à corps, toi, gros? Faut qu'elle soit bien, c'est ton arme. Non, elle est nulle. Bon, ça va. Bon, ça va. Ils sont équipés comme jamais, nos colons, quand même. Hein. Petit casque simple. L'armure, là, l'armure de plate. Pas mal, pas mal, pas mal. On est où? Ah, Robin. Megs. Hop. Robin, d'ailleurs, je te. Non, tu choisis pas, tu feras forcément du corps à corps. Guilherme, pareil. Natacha, pareil. Donc là, tu vas venir équiper. Parce que Natacha, t'as combien? Ouais, t'as 13. Ouais, je sais, t'as une grosse passion pour la mêlée. Mais là. Dans une partie de RimWorld normale, ça irait. Ça serait pas trop dérangeant. Je crois que même en normal, je joue pas trop au corps à corps. Je trouve que c'est dangereux à chaque fois. On a plus de glaive? Pourquoi on a plus de glaive? Pemmican. Ouais, faudrait que j'aille voir ça aussi. Mais ils les bouffent, leurs glaives? Ou il y en a qui en ont 25 sur eux? Vérifie. T'as été bien chargé, Black Cat. Ah oui, mais il a dû aller chercher des trucs sur la map. Ah non, pourtant, ils ont tous l'air d'en avoir un seul. Bon. Ok. Et ben, on va en demander. Ah non, il y en a un là. Hop. Et là, normalement, pareil. Elle devrait arrêter de m'embêter avec ça. Voilà. Et elle garde bien son fusil à pompe. Ok. Snipe. Pareil, tu restes avec ça. Hugo,
Pareil, tu restes avec ça. Et tout le monde a une arme secondaire. On est bien, on avance. On avance et tout le monde a... Ok. En termes d'armure, Ninon, pourquoi t'as pas d'armure, toi? Y'en a plus? Y'en a peut-être plus. Et là, t'es en train de faire quoi? Un casque simple. Ok. Une armure de... Bah, j'en reviens encore une, parce que Ninon, on en a pas. Alors, on en a pas, apparemment. Et sinon, tout le monde est équipé en armure. Si, y'en a une... Ah, elle est médiocre. Ok, ok, ok. Elle est médiocre, elle est médiocre. Tout va bien, vous énervez pas. Ok, on avance. Ma petite liste est tout bon. Ça m'a l'air tout bon. Attendez. Oh, j'ai fait de la merde. Hop. Vous énervez pas, vous énervez pas, vous énervez pas. Hop. Tac, c'est bon. Pour les armes, c'est bon. Ok. Ah, j'ai pas les commentaires pour le mode Hachung. Hachung. Enfin, comment il m'a dit, Benjamin? Je sais pas comment il m'a dit, bon. Là, ça avance. Ça avance. Ça construit. Ici, c'est plus ou moins bien. Là, dès qu'on a fait un albagueur âgé, pourquoi tu t'énerves? Black Cat. Bat. Mélie. Non, elle descend sur Knipe. T'as quoi comme arme? Un petit flingue, Knipe? On n'a pas d'autre arme à feu, là? Non, on n'a rien encore. Hein. C'est vrai qu'on est un peu en galère de composants. Je peux pas trop en construire des armes à feu. Ah, il y a Théo derrière, après, il a le... C'est quoi, c'est un M4 ou un M16? Un fusil d'assaut, ça nous dit pas? C'est quelqu'un à la référence. La différence entre un M4 et un M16. C'est pas écrit, ça nous dit pas... Juste, c'est juste... petite personnelle. Ok, c'est bon. Par contre, on a amélioré. Oh là! C'est bon. T'as pris quoi? Ok, rien de grave. Viens le finish, gros. Je crois qu'il est en train de bouffer. Petite frayeur, la petite frayeur. Ensuite. Faut jouer comme il faut, Benet. Faut jouer. Alors ça, c'était les vêtements. Sur l'alimentation. Sur l'alimentation. Vous mangez tout ce qui est gastronomique. Par contre, vous mangez pas de pemmican. Vous mangez pas de foin. Vous mangez pas de croquettes. Au chocolat, vous pouvez. Vous mangez pas de cadavres. Ouais, les cadavres, ça va pas compter. Non, de toute façon, c'est comme la viande crue. En aliments crus. Bah, aucune viande crue, sinon ça vous rend malade, vous êtes pas content. Les végétaux peuvent bouffer des baies. Produits animaliers. Enfin, ça non plus, j'ai pas envie qu'ils bouffent la gelée, elle se revend trop cher. Quoique après la gelée, quand on en a, c'est cool qu'ils puissent le lait aussi, vous pouvez prendre du lait. Si vous êtes pas intolérant au lactose. Et là, ouais, vous bouffez ça, la pâte nutritive. Les Twinkies, on va les laisser, sinon j'ai peur d'envoyer, genre, Bat faire une mission ou je sais pas quoi et d'oublier de lui débloquer qu'il puisse pas bouffer les plats. Il y a une bagarre, il y a une bagarre. On a une bagarre contre eux. Natacha et Black Cat. Oh c'est parti, ça se fout sur la gueule. Qui va remporter? Ok, ça a sorti les flingues, ça s'est détendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Black Cat a appelé Natacha une bisonne. Ça a mis Natacha dans une colère noire. Elle a déclenché une bagarre. Alors, Black Cat a cogné Natacha en visant le bras gauche. A utilisé la tête en amateur. En amateur pour écrabouiller Natacha. Ouais, lui a mis un coup de boule. Lui lésant le bras gauche. Ouais. A frappé pour connaître Black Cat avec le poing droit. Ok, une petite patate de forain lui cassant l'annulaire gauche. Ouais, c'est souvent nous, on se pète un annulaire quand on met une patate mal placée. A échoué en laissant de mordre Natacha. Elle l'a mordu du coup. A démoli Black Cat. A déchiqueté Natacha. Ok, c'est parti en sucette. Qui a le plus ramassé? Voyons voir. On est sur qui là? Natacha. Ok. Black Cat. Voilà, ouais, c'est l'annulaire. Ah, l'annulaire, elle l'a pataté. C'est pas passé, elle a tapé dans le menton au mauvais endroit. Ça lui a pété le doigt. Dommage. Pas de bol, allez vous faire soigner et arrêtez vos conneries. Là, ça bosse, Naya Guillaume, c'est cool. Là, je donne pas trop d'ordre, j'aimerais bien qu'il nous finisse ça. Le petit couloir par derrière. Le petit couloir par derrière. Pourquoi ça me fait rire, putain. Là, ok, ça avance. Ça prend du temps, hein. C'est que je me suis un peu emballé. Surtout qu'on n'a pas énormément d'acier non plus. On est un peu en galère de ressources parce que j'ai personne qui bosse ici. J'aimerais bien mettre quelqu'un, mais on avait Benjamin. On a perdu au bout d'un épisode. Terrible. Mais en query, j'ai personne à part Black Cat. Et Black Cat, elle fait mineur avant. Ouais, elle fait beaucoup de trucs, Black Cat. Hein. Faut qu'elle fasse forgeron, la couture et l'artisanat. Une fois qu'elle a fait ça, bam. Là, elle se barre faire de la query. Et là, on a Robin, sinon. Hein. Robin, tu fais quoi, gros? De la construction. Du minage. Fermier, je vais te passer en 3 parce qu'on a beaucoup de fermiers, j'ai l'impression. Et par contre, tu feras de la query en 2. Donc c'est une fois qu'il a fait les plantes un petit peu, il a... Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Parce que ça, ça paye, hein, ça, faut pas croire, mais en termes d'acier et tout ça... Pas en termes de composants, je crois pas qu'on en recrute, qu'on en récupère, mais en termes de... Ah, tiens, composants. J'en ai plus qu'un. Oh, on en a plus qu'un.
Faut pas que ça tombe en rade les appareils. Hein. Mais c'est ça qui nous a coûté cher là. Ça, c'est 5 composants. Hein. Faut vraiment qu'on trouve. Là, j'aurais bien aimé en trouver là-dedans. Là, il y a que dalle. On ira fouiller après au pire. On creusera dans les montagnes pour en trouver. Là, on en a un petit peu. On va les récupérer. Ah, il faut qu'on se refasse des stocks de composants. Hein. N'oublions pas. Il y a les zombies aussi. Voilà, c'est loin. Hein. Mais bon, il faut. On est obligé de remonter. L'acier, c'est pareil, hein, c'est bien descendu. Hein. On en a encore de l'acier? Ouais, regarde là-bas, ah, bah, je l'ai vu là. Hop. On en a 450, c'est vrai. Que dalle. Hein. C'est la misère du monde. Même faire ça, c'est loin. Ouais, je vais pas faire un truc. Il y a Baptiste qui me demandait, tu vois, ils ont une zone de couchage ici, les animaux. Ouais, il y en a la moitié qui dorment sous la pluie, mais écoute, c'est des animaux. On va commencer à s'énerver. Là, Là, j'aimerais bien le faire, mais faut que ça soit fait tout de suite. Ou alors, je commence déjà par bourrer. Ouais, c'est pas con. C'est pas con ce que vous me dites, là. Tac. On va mettre au moins 3 de large. Hein. Puis là, on va laisser faire au fur et à mesure. Ça va être long, là, de faire un pain, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est vrai qu'on a, on était aussi en galère de granit, hein. Ah, c'est bon, c'est remonté. Ce serait bien de brûler les cadavres, là. Personne ne veut me faire ça. J'ai activé ça. Tiens, Ninon, là, qu'est-ce que tu fais? Viens. Allume ça. Voilà. Hop là. Et incinère des corps. Ça va t'occuper un petit peu. Eux, on tente, hein. Ça avance. Petit à petit. Oh. Ah non, faut que j'arrête de donner les ordres. Mais j'ai tellement envie. J'ai envie de construire, là, notre atelier, là, de faire notre hôpital. Pareil, il faut qu'on fasse... Comment ça s'appelle, le truc pour recevoir les invités, là. Comment terminer, fabriquer un casque basique. Donc tout le monde devrait être un casque, voilà. Il y a juste Théo qui a le sien particulier. Comme ça, on repère bien que c'est le doc. C'est cool, c'est rigolo. En termes de sérum, on en a 2 d'avance. On en a encore après des... C'est écrit là, 41. J'en vois 39 ici. On est d'accord, en vrai, ça doit traîner sur la map. Faudrait qu'il le récupère, c'est pour ça. On laisse avancer. La bouffe. C'est pas mal remonté avec les chevaux là qu'on avait tabassé. Ok, on peut peut-être relancer les plats. Voilà, arrêtez de suspendre tout ça. Les croquettes. Pareil, ça tombe super bien. Ok, c'est bon, ça... Ouh, on s'en sort, on commence à s'en sortir. Les petits amis, on commence à s'en sortir. Là, faut juste laisser tourner un petit peu. Voilà, ça y est, ça c'est fait. C'est plutôt clean, on trouve ça pas vilain, je trouve. Là, comme ça, il y a ça. Et derrière, là, on mettra nos colons. Bam, bam, bam. Et si jamais ça part trop en sucette, qu'ils avancent trop, on décale encore tout le monde là. Et dernière rangée avec les... Les guns complexes, mais bon, ils servent pas vraiment à grand chose. Ça serait peut-être pas mal de se rajouter. Ah ouais, mais l'acier est encore bonnet. Ouais, si, pourquoi pas. On s'en rajoute 1 sur 2 comme ça. On va faire ça au cas où il... Je sais pas si c'est vraiment très utile, on va pas se mentir. Bon, c'est au cas où. Voilà, comme ça, ils passent là. Une fois qu'il y a quelques mecs qui arrivent à s'en sortir, à passer ça, bam, ils prennent tous les pièges dans la gueule. Et ils font... Ouais, non, si, c'est pas mal. Capsule de sauvetage. Grace, il appartient à personne. C'est une femelle de 37 balais. Ok. Par la petite bio. Hypersensibilité psychique, paresseuse. Vitesse générale de travail, moins 20%. Et aimable. Alors, elle va finir à la mine, elle, hein. Deux, elle a une petite passion. Elle préfère la construction, mais elle est nulle. Elle a quel âge? Putain, t'étais nul pour 37 ans. Sur un petit jeune, ça me dérange pas. Mais alors là, 37 piges, c'est déjà un certain âge. Un bonheur. bon. Ouais, on va la capturer. On a de la place encore dans la baraque, là. Ah, ou alors on fait pas les salauds. On la sauve et on voit ce qu'elle fait. C'est vrai qu'on devait faire des combats de prisonniers aussi à un moment. Hein. J'oublie. Bon, dans la prochaine saison, peut-être qu'on fera les... On s'orientera un peu plus sur les prisonniers. Avec prison labeur et tout le machin. Oh putain, on fait quoi? On la secourt, on la capture? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez rien? Vous trouvez juste qu'on se fait chier, là, c'est sûr. C'est vrai. Allez, on la secourt. On la secourt, parce qu'on en a pas vraiment besoin. On est déjà tellement dans la colonie. Eux nous intéressent. Alors, je crois que c'est deux nanas, si je dis pas de conneries. Ouais. Femelles. Eux nous intéressent, par contre.
Risque de démence pour qui? Black Cat, je vais aller voir. Là, il y a de la bonne stat hein, quand même. Ah, ça peut même aller dans la mine aussi, ça. Et vous savez quoi? Si elle nous rejoint, là, elle, ça sera le retour de Benjamin. Parce que le pauvre, j'aimais bien ce nom, Benjamin. Et elle a duré une journée. Oh, vous n'énervez pas, c'est moi qui décide. Merde, oh bah merde. Ah bah super, ah bah génial. Qu'est-ce que branlait Théo? Il était au lit? Il était au lit. Ouais, c'est ma faute, j'aurais dû le réveiller. Oh merde, putain, vite. Megs, viens lui couper la tête. T'adores ça, toi. J'adore couper des têtes. Viens la double tapping. Oh bah voilà, ton espoir, Benjamin, de revenir a été anéanti en 4 secondes. J'ai le temps de finir ma phrase qu'elle était éclatée dans le lit, là. Hop, le chien qui la sort. Hugo, tiens, tu passes bien, là. Hop. Allez, tu l'incinères tout de suite, c'est fait. Pourquoi personne fait ça? Parce que j'ai pas de fonderie. Mais qu'est-ce qu'il fait, le débile? Personne m'a encore insulté dans les commentaires sur ça? C'est quoi la différence? 170 d'acier de composants? 170 d'acier, pas de composants. Bah allez, c'est gratuit, merci le jeu, on triche. On aime ça. C'est moche, hein. Qu'est-ce que je suis en train de foutre, moi, là? Personne ne sait. Bon, bah voilà. Ah, vous m'avez pas encore insulté pour ça. Effectivement, j'avais toujours pas fait la fonderie. Ça, c'est de l'acier qui dort, ça. Risque de la démence. Oui, Black Cat, qu'est-ce qui se passe? Ma petite poulette, mon petit poulet. J'ai la petite poulette parce que t'es féminin, mais je sais que dans les commentaires, tu es un homme. Un mâle alpha. Putain, c'est sacré bio quand même, toi. Hein. Oui, toi, on t'avait récupéré là, dans l'enfer, je crois. Hein, si je me souviens bien. Alors, souffre moyennement. Tu es fatigué, tu as une petite faim, moyennement déplaisant, dans le noir, manger sans table. Alors, pourquoi? Ah, t'es bien balafré, toi. Cicatrice à œil gauche, champ droite, une oreille bionique. Comme ça, tu peux entendre péter les mouches à 20 mètres. Comme c'était quoi? Ah, la série ici quand on était jeune. The Sentinel. C'était incroyable cette série. Il entendait tout. J'aimais bien. Je sais pas pourquoi, putain. Qu'est-ce que tu racontes, bonnet? Calmez-vous. Les chiens qui font leur vie, là, ça. Ah, là, ça plante. Hein. Là, ça bosse dur. Ouais, c'est pour ça que là, en termes de stock, tissu, c'est. Il faut la fiesta. Ça va, il reste enfermé. Vous n'avez pas de sens de l'humour. Petit bonnard. Ils sont un paquet, hein, c'est fou. C'est fou. J'ai jamais eu autant de colons, hein, c'est ma première fois. Et je trouve que ça va, je m'en sors bien. C'est dégueulasse, ok. On est peut-être à l'épisode 50, là, j'en sais rien. Cassez-vous. C'est, ok, mais ça avance. Et là, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Que font mes constructeurs? Transport acier jusqu'à... Ah oui, d'accord, ils sont en train de finir ça. Oui, c'est vrai que c'est important. Oh, des nouveaux amoureux. Black Cat a été charmé par Bat. Oh, ça y est. Oh, le Bat qui était en mode au taquet sur toutes les nanas du coin. Ça y est. Rejette Black Cat. Ah, bah, tu... Bah, c'est pas bien, faut pas faire ça, les garçons. Les jeunes, là, entre nous. Faut pas forcer. Quand elle dit non. Bon, là, ça a marché avec Black Cat, parce que... Peut-être un petit peu en manque aussi, Black Cat. Terrible pour Black Cat, hein, sachant que t'es un homme dans les commentaires. Black Cat a charmé... Ah, c'est Black... Quoi? Attendez. Attendez, les feux de l'amour. Là, on est d'accord. Je suis sur Bat. Bat a été rejeté par Black Cat. Pris de pitié, Black Cat s'est dit... Bah, allez, viens, mon petit bonhomme. Elle l'a accepté. Incroyable. C'est où le journal? Je mongolise. Bat a courtisé Black Cat en plaisantant à moitié tout en complimentant son attitude. Black Cat a racheté ses avances. Black Cat a charmé Bat en exagérant sa propre... Sa propre mère? En exagérant sa propre mère? Bat a été attiré et devient l'amoureux de Black Cat. Allez, incroyable. Une petite chambre de libéré. Ah oui, de toute façon, on a déjà des chambres d'avance, nous, pour les tocards, là. Incroyable, incroyable. Théo qui fait les petits pôles dans les chambres. On n'oublie pas. C'est l'armée, mon truc, hein. Et elles sont toutes pareilles, les chambres. Il n'y a pas un truc qui traîne, elles sont nickel. Manque un peu de... En prévision, là, hein. Petit chauffeton. Bon, mais mes constructeurs. Tire quelques flèches, ça marche. J'ai qui en vrai constructeur, là? On a Scott. On a Ninon, Ikfrost, Robin... Et Megs, que j'ai mis en 3, ok. Donc, ok. Ikfrost, Ninon, Scott. Alors, Scott, qu'est-ce que tu branles? Répare un mur en granit, ok. Ninon, termine la construction de beer trap. Ah putain, ça prend un temps fou, c'est ça? Bon, ça avance. Ikfrost, répare sac de sable en tissu. Comment ça? Ok. Ok. Belle défense, arrêtez, mentez pas. Ah, ça y est! Ça avance, là. On va aller jusque là, leur laisser un petit passage quand même. Comme ça, hop. Là c'est bon, 3 de large, les explosifs. On rajoutera peut-être après encore un de plus.
Là, de toute façon, il y aura, ça fera comme si on avait 5, 1, 2, 3, pas du tout, 4. Il aurait dit n'importe quoi, c'est tellement portable. On la tente ou pas? Je la tente. J'ai pas confiance. Voir si il commence de là avec le mode que j'ai mis, ou si encore une fois, j'ai mal réglé un mode et... Ok. La sécurité est bientôt prête. On n'a pas beaucoup en termes de défense, parce que les recherches, c'est un peu le sgeg là. Mais on veut ça pour les portes automatiques, voilà, les leviers pour machin, comme ça, là, porte automatique, on tire un câble, on met un petit levier là. Enfin, ou peut-être plus par là, un truc genre, même à l'entrée, ouais. Même là, carrément, ouais, même là, en fait. Même là. Ah, ça c'est fait. Oh là là, oui, c'est vrai qu'on peut changer les styles. C'est celui de base. Donc, il y en a trois. Oh, je l'ai perdu. Oh, lui, il me plaît. Lui, il me plaît. Ajouter une tâche. Extraire. Alors, attendez, il y a le truc x3, je crois. Se mettre. Voilà. Hop, répète en boucle. Ah là, ça va charbonner. Détruire des équipements. Recycler des armes. Je peux recycler des armes? Est-ce qu'on recycle des armes? On aime bien un peu se faire du pognon, vous voyez ce que je veux dire? Fabriquer, ok. Déchirer d'accord, mais fabriquer un obus, ok. Là, c'est que les vêtements. On aime bien revendre des armes, hein. On va pas se mentir. Point de vie, bah tout ce qui est en dessous de 50%. Voilà, de 0 à 50%. Bah toute la qualité en vrai. Hein. Ou alors juste celles qui sont de horrible à bon. De horrible à bon, comme ça tout ce qui est au-dessus, excellent et chef-d'œuvre, on peut y garder pour la revente. Rayon de recherche illimité. Ouais. Répéter en boucle. Ouais. Ça donnera du matos, hein, des matières premières. Peut-être récupérer des composants, des fois, des machins. Je sais pas. Mais comme ça, au moins, ça vide les stocks. Natasha Potensky. N'est plus inspirée, c'est pas assez fun, les tirs à CC. Ça marche. Pas de soucis, ma poulette. Oh, ils l'ont fait! Vous avez vu un peu comme je suis mauvais joueur? Ou alors, on a eu de la chance. Ça avance vite, hein, mine de rien. Oh, ouais, je veux finir la sécurité avant de mettre le truc. C'est pas là, on se prend une horde de zombies et ça devient l'enfer. On regarde. Non, mais ils vont où, là, tous, à se barrer là-bas, à chaque fois? Ah, pardon. Oui, bien vu. Ah, les composants, c'est bon. On en a récupéré combien? On en est où? J'ai l'impression que le jeu est pas fluide, c'est bizarre. Peut-être parce qu'on commence à être vraiment beaucoup, aussi. Vous êtes où, les composants de mort, là? Naya, petite crise de boulimie, dans le plus grand des calmes. Ils sont là. Ah, 5. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. Qu'est-ce qui se passe, ma poule? Pourquoi tu fais une crise de boulimie? En plus, t'étais en pleine forme. Bah ouais. Subis des insultes. Qui t'insulte? Hugo a directement insulté la compétence au corps à corps de Naya. Voyons. Naya, 3 mêlées. C'est vrai que t'es nul. Hugo, 12. Ah, oh, il fait le malin. Ça, c'est pas cool, Hugo. Hein. Quel âge t'as, Hugo? 55 ans. T'insultes une petite jeune de 22 ans. Tu te moques d'elle parce qu'elle sait pas mettre un coup de poing. Par contre... 18 en tir, 10 en tir. Cours comme un lapin, tu vas voir. Elle va te chasser ça. Elle va te chasser, mon petit. Tu vas pas rigoler, Hugo. Allez, t'en fais pas, Naya. Ça va bien aller. Théo, est-ce que tu défends l'honneur de ta femme? Hugo, ça va. Il reste calme, Théo. Il est en mode. Oh là là! Ça y est. Kanto, donc une petite nana. Ça marche. Calme-toi tout de suite. Tu vas prendre des médicaments de merde. Tu pars ta bio. Oh, t'es nul. Oh, t'es un peu nul. Ah oui, mais c'est ça qu'on avait kiffé. Super humilité, gâchette facile et magnifique. Ok. J'ai envie de la laisser en fuite. Hein. Parce que là, si elle se fait chasser par un truc, elle, à 3 en tir. On est quand même plutôt mal barré. Ouais. Je sais pas. Après, en fuite, c'est chiant parce qu'il perd un peu la boule. Là. Il devient à moitié mongol. Là, il court à droite, à gauche. C'est un peu terrible. Je sais pas. Ouais, allez. On attaque. Du coup, construction, t'as une grosse passion pour la construction. Les animaux. Ouais, je sais pas trop ce qu'on va faire de toi, ma poule. Je vais pas te mentir. Ouais. Médecin et Way 4, c'est histoire de récupérer des sérums quand je te demande. Les finish. Géolier, ouais, tu peux aider les petits potes. T'es pas mauvaise. Dresseur, pareil, tu vas passer en 1 avec... Je peux peut-être soulager un peu Ikfrost. Ah ouais, mais Ikfrost, on voulait pour qu'il puisse...
Bien être le maître de Bonnard. Commence à être bien entraîné là tous les animaux, hein, c'est cool. Manque plus grand chose. Là les liens ça va, ça tourne. On va espérer qu'ils aient bien un lien entre Bonnard et Frost. Pour le plus grand plaisir de Bonnard. Non c'est pas ça que je veux. Non Bonnet, toujours pas. Toujours pas Bonnet, calme-toi. Ouais voilà. Haute 6, ouais, tu peux passer en 2. On va peut-être mettre Frost en 2, histoire de le soulager un peu sur le dressage. On a beaucoup de dresseurs. Guillaume, t'as 7. Hugo, t'as... Ouais, t'as une petite passion. On peut enlever Guillaume. Il a pas de passion. Pas de passion, elle a pas de patrouille. Référence de merde. Constructeur, ouais, tu vas faire de la construction. En 1. Et après, je crois que je vais te mettre à la mine, à ma poule. Peut-être t'aider à ranger un peu. Gestionnaire, c'est bon, on a ce qu'il faut. Recherche, t'as 3. T'es pas assez... Non. On a déjà pas mal de gens en recherche. Oh, on la fout en 2 à la carrière, hein. Qu'est-ce que je vous dise. Effectif des travaux peu qualifiés au poste de travail. Cela inclut la taille de pierre, la fonte et davantage. Pareil, on est déjà bien blindé à ce niveau-là. Bon, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Par contre, il va falloir... tu vas venir t'équiper. T'as pris quoi, là? Non, 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 oublie ça. J'ai vu qu'il y avait un fusil à pompe. Viens m'équiper ça. Voilà. Tac, tu feras du tir. Eh. Hein? T'as déjà... Non? Trigroix pour oublier glaive en métal. Non, 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 si t'en trouves un, n'hésite pas. Ok, elle est en train de se fringuer. Elle a son casque. On va demander deux petites... deux petites, ça coûte un fric fou, ça, hein. 170, hein. Mais bon. C'est worse, c'est worse. Si ça peut les éviter de crever tout de suite pendant le combat. Ce nombre! Incroyable. Les chiens, vous avez tous un panier? Non, on a combien de chiens? Ah, 3 chiens. Oui, parce qu'on a femelle. 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 On a 3 femelles, donc on risque pas d'avoir des petits. Donc oui, pour l'instant, c'est normal. C'est un bordel sans nom, quand même. C'est un bordel sans nom. Bon, on va attendre. Ah, ça y est, ça, enfin. Putain, ils me font ça. Comme ça, après, je passe l'électricité, là. Oui, j'ai déjà l'électricité, là, donc je pourrais mettre les lumières sur ce mur-là, mais je vais les mettre là. Oh, petit côté maniaque. Oh, vous énervez pas. Là, par exemple, par contre, Bonnet, tu nous fais chier. On perd un temps fou, ça nous coûte du bois. Voilà. 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 Comme ça, ça, on y vire. Vous en avez qu'une? Ouais, c'est ça. Ok. Seul là, on pourra la virer, je pense. Voilà. Ok, là-haut, là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut. Structure. On bourre là, on va voir si c'est bien fait. Black Cat, tu vas où encore? Ouais, toujours miné, hein, c'est ça? Oui, ok. Ok, ok. Je regarde si on n'a pas... Là, ça n'a pas été miné. Là, ça a tout été pris. Là, on a encore un petit gisement avec encore du... Oh là là, j'aime bien quand les zombies nous laissent tranquilles. J'aime beaucoup le mode Zombieland. Hein. J'aime beaucoup. Mais j'ai quand même hâte, prochaine saison, de retourner en mode normal, tranquille. Je pense pas que la prochaine saison, on fera le DLC encore. Oui, je sais, je devrais, mais je sais pas, il me hype pas, ce DLC, en vrai. C'est moche, là, il y a un truc qui va pas. 4-4. Il manque ça, non? Putain, voilà pourquoi il y a un truc qui va pas. On n'a pas mis un pont? On peut pas... Oh, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, même s'ils pètent là, ils vont aller où? Ils vont aller là? Ils vont se faire arracher. Voilà, ça bosse dur, hein, ça bosse dur. Ah, les 3 d'affilée là, bam, 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 bam. Ok, ça a été fini jusque là. Illumination artistique pour Scott. Ça. Ah oui, ok. Ah putain, ah merci Robin. Merci mon bon vieux Robin. Ok, colonise sans arme secondaire. Pour Kanto, ouais, je sais. Ah, mais attends. Je t'en prie. Kanto. D'ailleurs, Kanto, qui va être Kanto? C'est quoi? C'est qui? C'est pourquoi? Kanto, du coup, 43 balais. La liste magique. L'autre liste magique, j'ai trop de listes magiques aussi avec Going Medieval. Là, c'est l'enfer. Colon mâle. Colon mâle. Ouais, pour... Ok. Malaiso, colon féminin. Colon homme. Oh putain, qui c'est qui m'a demandé ça? Nicolas? Enfin, Nicolas, colon homme, taupe et aimable, intelligence plus tir.
Là, quand je vois que juste Fred, il veut juste un scientifique mâle et on n'arrive pas à le trouver depuis le début de la partie. Toi, tu veux un homme top et aimable, intellectuel et tir, bah dis donc. Je te noterai pour la prochaine saison. Non, je fais pas ça. J'arrête de faire ça d'ailleurs, sinon je me perds. C'est au fur et à mesure. Et bon, tu es sur la liste. Ah oui, Benjamin, il voulait que je trouve une laie ou une truie. Exact. Il veut que je lui donne le nom de Blanche-Neige. Il m'a lancé ça en défi. On a quoi sur la carte là? Une laie. Incroyable, toutes ces laies. Par contre. Tiens, 2 ans, femelle. Allez, c'est parti. Ah, y a pas de risque que ça me tabasse? Oh! Tiens, un énorme chat. Dans les yeux ouverts, tellement glauque, les yeux jaunes. C'est quoi? Un cougar? Un cougar! Pourquoi je m'excite? C'est fou, ce type. Là? Ah, merde, voilà, voilà. Une seconde d'inattention et ils font les cons. Ah non, ça me stresse. Je peux pas y laisser. Je sais, désolé. Je vous énerve, moi aussi. Black Cat qui part. Ok, donc on va essayer de dresser ça. Fais voir, toi. 40 ans. Et où Kawette, là? 43. Ouais. Oui. Agriculture. Vous m'avez pas demandé quoi que ce soit. Non, bah, je pense que ça va être l'arrivée de... Je pense que ça va être l'arrivée de Cameron. Parce que là, tu m'as dit que tu t'en foutais, toi, du coup, maintenant, t'as compris que... Juste de demander à un colon mâle, c'était un peu compliqué, des fois. Alors, hop, Cameron, nouvelle petite nana dans la colonie. Hop. Cameron, bienvenue à toi, mon gros. Après, une femelle, désolé. Une femelle. Une nana. Et puis ça, je pense que ça sera Malézo. Donc, attends, je vais te barrer, Cameron, c'est bon. Hop. Putain, moi, je suis vraiment un vieux, hein. Encore en train d'écrire sur des calepins, vous savez, comme nos darons ils faisaient à l'époque, ils écrivaient leur liste de courses là. Putain, moi je suis toujours pareil. Ok, là ça a été collé, parfait. Venez me foutre tout de suite avant que j'oublie. Une lumière ici, pareil, hein, toujours le même truc, éviter l'infestation. Est-ce que ça y est, il va enfin éclairer son hall là, le con? Oui, oh oui, vous n'en rêvez pas. Et ça passe là. Hein. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, je le fais pas au millimètre, j'avoue. On le fait à l'œil. Hop. Cinq d'acier, quand même, chaque lampe, là. Hein. On est sur un petit délire. Ouais. Allez, 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 ça part sur ça. Ça ira bien. Ok, on va enfin avoir l'électricité ici. Ah oui, mais ils vont me faire chier. Là, je peux pas mettre. C'est pour ça aussi que je mettais mes poteaux. Tout me revient maintenant. Et oui, je peux pas mettre de poteaux là-dessus. Parce que là, ça va être dégueulasse au milieu. Hein. Il va faire sombre. Peut-être virer ça. Allez, venez m'enlever ça, là. Ah, putain. Mec, attends. Excuse-moi, il est en train de bouffer. Mettre un petit poteau, voilà. Un petit mur en granit. Peut-être, pourquoi pas. Pour la rigolade. Petit mur en or. Petit mur en or à 50. Oui, tu dois garder ton or, t'en as besoin de bouffer. Je sais. Oh là là, mais regardez ça. Regardez ça. À côté des piliers en poutre, là. Les poutres en... Les piliers en poutre, hein, c'est bien. Là, à côté des piliers en jade... Et la truc de bonheur, j'ai envie de décaler des bonheurs. On va le coller là. Toi, tire-toi. Tiens, ouais, désinstaller. Mais oui, désinstallez-moi ça. On va gagner de la place aussi. Ça y est. Désinstalle. Oh, mais il n'y avait pas de chaise, celui qui bossait ici. Oh, des nouveaux amoureux. Cameron. Oh, bah putain, Cameron, il a pas traîné. Elle a essayé d'être romantique avec Robin. On raconte. Allez, bam. Cameron, Robin, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Cameron, il a pas traîné. Il a essayé d'être romantique avec Robin en racontant une fable à propos d'anarchie. Robin a répondu oui et devient l'amoureux de Cameron. Cameron a encouragé une nouvelle réaction d'Elessar. Cameron a... Quoi? Ah oui, Elessar, c'est le Mufalo! Je comprenais pas. C'est vrai qu'Elessar, c'est notre Mufalo des enfers. Ah, je vais te changer, Elessar. Je vais te mettre le mal, quand même. Parce que je... Oui, si, t'es un homme.
Il me semble les sards. Il me semble que... Mais oui, oui, oui. Et là, on va mettre... Marguerite. Personne m'a demandé les trains. Non, je crois pas. Allez, les cons, là. Putain, ils m'insupportent. Que tu travailles, j'ai rien à foutre. Tu travailles, Scott, je m'en fous. Viens faire ça. Faut qu'on avance. Pourquoi j'ai plus l'OBS, là? Je vois pas combien de temps j'en suis. Hop, hop, vous avez rien vu. Calmez-vous. 36 minutes. Ouais, je vais essayer de taper une heure. Pourquoi? Parce que faut que je tourne deux vidéos aujourd'hui, on est vendredi. Parce que ce soir, je fais le con encore avec le petit père Vivi et les petits potes. Et il faut absolument que je vous sorte la vidéo pour demain matin, pour le petit-déj. Pour le petit-déj du samedi matin. J'ai cru que le chien venait contre le mur. Hein. J'ai cru qu'on en était arrivé là. On l'a recruté, ce foutu... Non. On l'a pas recruté. Ça va se faire. Tu vois, Black Cat, elle y va, là. Black Cat, elle y va. Pas du tout. Alors, c'est le minage. Robin, elle y va. Pas du tout. Ils veulent pas... Ok. Oh putain, ça m'énerve. Prends plat raffiné dans l'inventaire. Prends pas de plat raffiné dans l'inventaire, viens faire ça. On va les aider, on va bourrer le truc, parce que j'ai envie que ce soit fini. Là, on est tranquille avec les zombies. Vous imaginez un épisode sans zombies, ça serait incroyable. Hop, normal pas, gros. Tu fais ça, voilà. Là, on est d'accord, il n'y a pas de toit, hein. Oui, parfait. Non, non, mais là, vous faites pas chier, là. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Ignorer la zone de plafond. Étendre une zone à ciel ouvert. Ouais. Oui, là, c'est pareil. Et vous croyez qu'ils ont fait un toit, là? Non, à ciel ouvert. À ciel ouvert 233, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu, c'est écrit à ciel ouvert 200... Extérieur, à ciel ouvert 233, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, merci. Bordel. Structure, porte. Porte en granit, bim. Ah bah génial, boum. On y arrive, hein. Hickfrost. T'as trébuché dans la terre. Admire le lever du soleil. Oh là là, il est tellement romantique, Hickfrost. T'es une petite chérie, Hickfrost, toi? Ah mais oui, t'es le... Oui, c'est vrai. T'es avec Ah non, c'est ton ami. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est Natacha et Knack, je crois, les parents de Megs. Hein, on est sur ça. On sait plus, on se souvient plus. Ouais, mari et fils, c'est bien ça. Quoi, tu te commandes... fabriquer une armure de plate, très bien. Ils ont plus d'armure. Pourquoi ils ont tous enlevé leur armure? Qu'est-ce qu'il a branlé, Bonnet? Qu'est-ce qu'il a branlé, le con? Il fait 21 degrés? On est en septembre, donc c'est pas une question de chaleur, il fait 6 degrés dehors. Pourquoi ils ont tous enlevé leur putain de truc? En prend une animation artistique. Il a des alus, putain, Scott. C'est juste parce qu'il fait un peu froid, donc du coup, il vire ça pour mettre la carpa. La parka? Ah ouais, mais je crois qu'ils aiment pas, hein. Naya, t'es où, ma poule? Naya, elle est là, en train de ramasser les haricots. Non, Naya, je dis. Besoin, ok. Forcé à porter. Manger sans table, a subi des insultes. Mais qui insulte tout le monde, fou? Black Cat, encore? Bah, tu vas arrêter d'insulter tout le monde? Supportable, Black Cat. Ok, elle l'a équipé. Ah, putain, c'est ça, regardez. Hugo, il s'est jeté sur la parka. Comme la misère sur ce pauvre monde. Ah ouais, elle l'aime pas. Ah, il n'y a pas de malus. Ou alors... On tente des trucs, hein. Les tenues. Tout. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Je me sers la tenue. Tout. Tout effacé. Je me dis, go, on part sur ça, hein. Ah merde, ça compte les casques aussi. Eh oui, évidemment, bonnet. Couvre-chef. Coiffure. Voilà, ça, vous avez le droit à tout ça. Voilà. On va voir. Oh oui, mais quand il n'y a pas d'armure, ils vont se retrouver les cavettes à l'air. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ah, mais il y a des armures qui sont médiocres. Je sais pas, moi je veux qu'ils restent en armure en vrai, je veux bien qu'ils fassent un peu frais dehors, mais ils peuvent pas mettre la parka par-dessus.
Et là, genre, ils sont en mode en... Il nous fait chier à porter ça. Ils sont tous à poil. Faut que j'en laisse les pantalons. Ah, oh, c'est une mauvaise idée. J'ai fait de la merde. J'aurais dû le régler un peu mieux. Oh, tiens, coucou toi. Ils mettent quoi avec ça normalement? Ah, oh, vous savez quoi? Non, je vais laisser en tout autorisé. Sauf, voilà, les 50% de points de vie, tout ça, on est d'accord. Comme ça, ils mettent ce qu'ils veulent et je vais attendre de voir ce que vous me dites dans les commentaires, les professionnels. Ce que vous en pensez. Ok, ça, on peut dégager, là, c'est bon. Bon, oh, je pense qu'on se fera un petit... Ouais, hein. Ouais, non, juste comme ça, voilà. Je veux pas que ça me prenne là, voilà. Hop. Je pense pas qu'on en ait besoin ailleurs. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, comment on pourrait régler ça. Parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent juste en parquet à l'hiver. Parce qu'on va se faire attaquer l'hiver aussi. Qui est active la planque de marchandises. Médicaments avancés x3, c'est pas énorme, hein. Un générateur de tornade. Je m'en tabasse un peu, une menace inconnue. Ça me chauffe moyen. Ça me chauffe moyen. Ah non, c'est chiant en plus pour aller chercher ici. Non, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Fais pas trop de quêtes. Sur cette saison, c'est pas bien grave, vous m'en voudrez pas. Bah tiens, là, on peut peut-être terminer aussi. Bourrer un peu. On va voir. S'ils sont pas trop cons. Voilà. Voilà. Bam, allez, hop. Voilà. Oh, j'ai envie de tout remplir. Calme-toi, abonné. Calme-toi. Là, au moins, ce sera bien sécure. Là, les sapeurs, s'ils viennent par là, tranquille. On attend de finir le café avant de se bouger. Là, c'est bon, ça tourne. L'éclairage est pas vilain. C'est à peu près éclairé partout. Lui, on sait pas pourquoi Knipe, il a deux éclairages. Dans le plus grand des calmes, wall light, voilà, on me la vire, hein, il en a pas besoin de deux. Là c'est bien éclairé, là c'est bien éclairé. Là le couloir c'est fini, on a l'électricité partout aussi. Énergie. Oui, ok, bah c'est pareil, on va continuer alors. Mobilier. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Un, deux. 4, 5. 1, 2, non, attends. Ça vous énerve quand je fais ça? 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets au 6ème, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 6ème. 3, 4, 5. Là, je compte parce que je vais mettre les chambres. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je voulais balayer. 2, 3, 4, 5. Ah, je les mets plus du tout. 3, 4, 5. Il fait de la merde, le con. Le con, il fait de la merde. Et là, vous vous énervez. Je le sais. 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, tu vas m'en bourrer deux, là, histoire de dire. Ils vont bien éclairer, là. Ils vont bien y voir, les cons. Les cons. Bon. Oh, que fait Hugo? Oh, ça papote avec Bonnard. Il visite les tombes. Comment il va? Tu lui parles, vraiment? On peut savoir? Hugo a discuté avec Bonnard. Pas du tout. A discuté de manger des aubergines avec Natacha. On ne plante pas d'aubergines, Hugo. Arrête de mentir. Tu es un menteur, Hugo. Ah, cette défense. On a hâte de tester. Hein. Or, ça, oui, je suis tout d'accord avec vous. L'utilité de ces 4 pièges en bois. Elle reste encore à prouver. Ok. Non. Ah, celle-là, on aime bien celle-là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez rien à foutre? C'est pas fou. Oh, je manque en plus celle-là. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Je sens que vous trouvez ça pas mal. Ensuite. Est-ce qu'on met un sol? On peut mettre un sol? On va mettre un sol. Oh, tant qu'à faire. On prend notre temps, ouais, je sais. Ok, là, c'était fait. Là, c'est plutôt bien fait pour l'instant. Ça me fait un peu peur, quand même. Ouais, on leur fait confiance. Moi je dis on leur fait confiance. Là ça me plaît pas ce que tu viens de faire. Quête échouée, campant. Oui, oui. Colonie sans arme secondaire. Oui, Cameron. Exact, mon gros. Exact, exact. Ah, oh, ça me fait tellement chier de voir toutes nos armures là qui nous ont compté un bras. Enfin, ça détériore pas, hein, ouais, non. Ils les remettront après, mais. Du coup, Hugo? Non. Cameron. Y a que Cameron hein, qui a besoin d'une arme. Ouais. Une arme secondaire.
Un glaive, s'il vous plaît. Pas du tout, qu'est-ce que je fais? Quoique, pourquoi il a un bonnet? Pourquoi ils ont des casques? Pourquoi ils ne gardent pas leurs casques? Pourquoi je les déteste comme ça? Ouais, ils les ont posés leurs casques, ils sont là. Chier. Faut que je refasse un de façon de casque pour Malezo. On va refaire aussi une armure, on va refaire deux armures, et puis on, histoire de prévenir. Et je vais attendre de voir ce que vous me dites dans les commentaires. On va se faire... Pourquoi je... perdu un peu bonnet là, hein. Ouais. Détail. Pas en uranium, voilà, tu me les fais en acier. Deux, s'il te plaît. Tu seras fort aimable. Un dromadaire est enceinte, une dromadaire est enceinte. Très bien. Qu'est-ce qu'il est tranquille cet épisode, on aime bien, hein. Je veux pas me plaindre. On aime bien, ça soulage un petit peu, ça nous permet de bien avancer. Sur les défenses, pour l'instant ça tourne, hein. Ils ont pas l'air de trop mongoliser, le mode marche bien. Ça m'a l'air honnête. C'est appréciable. Regardez ça, regardez ça. L'intelligence. Mais au moins ça sera bien sécure là, on va pas se mentir. Là c'est bien aussi, ok. Finissez de m'enlever ces merdes là, hop, nickel. Comme ça on a plus de torches, on va arrêter de gaspiller 300 tonnes de... Oula. 1700 de bois, ça va. Ok, ici par contre, ça, est-ce qu'on peut me le réinstaller? Hmm. Ça se pivote? Ça se pivote pas. Ça se change de gueule par contre. Ouais, regardez. Faut vraiment... Ouais. C'est du petit détail quoi. Oh, celui-là est stylé. J'ai envie d'en mettre deux à l'entrée là. Bam bam. Ça c'est beau quand même. Ça c'est beau. Ça. On me le réinstalle là. Ça. Notre petit bonheur. Bim. Oh là là. Que fait-il? Il craque, il devient fou. Non, attendez, faut que ce soit à peu près. Attendez. Autant faire un truc aussi. Tant qu'à faire le con. Autant le faire comme il faut. Là on a 7 avec le mur. Ça revient au même si je le décale en fait. 1, 2, 3, ouais. Ouais, c'est pas hyper centré, mais parce que je peux pas y centrer plus que ça. Qu'est-ce qu'il dit? Personne ne sait. Oh, et Bonnard, il va être tellement bien entouré. Ou alors... Je mets des poutres en or. Calmons-nous, calmons-nous. Déjà que je pense que... Ah! Blanche-Neige est arrivée. Allez hop, Ben! Relevez des filles, alors. Relever défi, défi relevé. Calme-toi. Blanche-Neige est parmi nous. Bang. Le porc. La porc. Tac, va avec les potes, hein. Par contre, là, tu commences à t'emballer dans le salon. Tu as tout dégueulassé. Ok, Théo qui fait un petit coup de ménage. Les recherches qui n'avancent pas. 800 porte-domaine. C'est un peu mou. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh là là, c'est tellement classe qu'on est en train de faire. Je suis sûr que les mecs sont en train de se devenir fous. Taré, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de gaspiller tout son or dans des poteaux pour Bonnard. C'est pas pour Bonnard, c'est pour la décoration. Oh, c'est vrai qu'on a un fusil aussi posé là. Bon, Malezo là, qu'est-ce que tu fais? Tu nous rejoins? Difficulté de recrutement 97%, chance de recrutement 8%. Restant 0. Quête expirée. Oh là là, mais arrêtez avec ça. Qui s'en fout? Oh, Hugo qui bosse comme jamais là sur ça. Ah! Ça y est, on avance. Ok. Attends, non, par contre, là, vous me faites chier. Définir ça. Ah, oh, c'est pas beau. Ah, oh, ça fait pas beau, la terre qui dégueule un peu sur les pavés. Bon, c'est réaliste, dirons-nous. Là, vous avez encore à bouffer, vous? Ouais. On va pas tarder à faire un champ, là. Dès qu'ils ont... Ah, mais ça y est, ils commencent à être bien bourrés, là-dedans. Ils arrivent à tenir la cadence. Et du coup... Ah, 2500... Oh, hop, hop. Là... Ah bah tiens, je veux dire la viande. Ah ouais, attention, attention. Une meute d'alligator. On est sur une petite meute d'alligator quand même. Oulala, 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 ils sont combien les cons là? Bonjour 5. Bon. Ça se fait, je pense. On est là tous. Je sais pas, je crois pas qu'ils puissent attaquer les animaux. Hein. Tous en place! On est tellement. Robin. Incroyable.
Ah! Non. Ça va faire me le virer, ça. Oh là là, mais regardez-moi ça! Mec, ce qui arrive tranquillement, un peu en retard. Allez, venez les alligators. Alors là, mon pote. Ils sont où, ces cons? Ils arrivent! Très énervé, les portes sont ouvertes. Oh, ça fait un bruit. Et là, hop! Et là, ça pinaille. Oh là, déjà, ça. Ça se fait arracher. Les gars tirent derrière. Oh, impossible, impossible. Cette défense incroyable. Et même s'ils arrivent à atteindre ici, bam! C'est tout! Je suis sûr, je bougeais même pas, on les avait. Allez, viens, viens me... Il y en a un qui est en PLS, là. Non, pas le stabiliser. Non, non, viens le finir. Viens le finir, viens le finir. Ouais, les animaux, là. J'allais vous oublier. Les chiens, donc. Trois chiens, là. Et le reste, là. Ok, Romain, il va aller le cutter, celui-là. C'est dingue. Hop là. On est en manque de viande. Ah, ça consomme tellement, les plats, là. T'es en train de faire quoi? Cuisine 4 plats raffinés, ouais, 4 par 4 aussi. Ok, on va se tenter une petite chasse en espérant qu'on prenne pas les zombies dans la gueule tout de suite. C'est très paisible aujourd'hui, on y a pas à dire. Les ânes me font paniquer. Là on est loin, là on part loin, là on part sur du loin, mais bon. Il nous faut de la viande, il faut bourrer les stocks. Oui, tu n'utilises pas le gestionnaire. T'es nul, je te déteste. Moi, je vous aime. Mais c'est vrai que je l'utilise pas. Je sais pas, mais on avait galéré l'autre fois à le mettre. Là, c'était chiant comme la mort. Enfin non, c'est pratique une fois que ça tourne. Quantité ciblée. Non, en plus, j'ai pas trop envie de m'en servir là sur une saison comme ça avec les zombies. Quoique, dès qu'on entend que ça pète, les zombies... Compter la viande d'insectes humaine, non. Vérifier si la cible est atteignable, ouais. Calculer la distance de trajet, compter tout sur toute la carte, ouais. Si activé, compte tous les éléments autorisés par le filtre à seuil sur la carte. Si les écrivains ne comptent que le... Non, non, ils sont non restreints. Autoriser les cadavres, ouais. Oh, et puis après, faut tout faire. Les prédateurs, ils comptent quoi dans les prédateurs? Ouais, les cougars, les machins comme ça, les grizzlies. J'ai pas qu'il y en a un qui se barre, genre... Là, il se barre avec son petit gun en papier et gros blanc, là, il commence à s'attaquer à un grizzly. Non, on va faire quoi? Alpaga? Bison, pareil, sacré bête. Tout ce qui est cerf, bouquetin, chevaux-nant, cobaye, dindon, écureuil, gazelle, kangourou, non, on va éviter, koala, lièvre, loup, ça peut le faire, lynx, on va se commencer à se méfier, buffalo, ça dégage. Bon, c'est chaud aussi, le buffalo, les rats, les ratons laveurs. Les raids panda, les renards roux, les rhinos, non, on évite, les sangliers, les tortues. Unicorn, sûrement pas. War, non, Welsh Terrier, on va y garder. Les yaks aussi. Voilà, on peut toujours avoir au moins 1000 de viande. Gérer. Ce travail a été mis à jour, il y a 7h23, ouais. Et pour le bois, nettoie la zone pour laisser les éoliennes produire et retirer aux ennemis les possibilités de se mettre à couvert sur le champ de bataille. Calme-toi. On va viser 2000, on veut toujours 2000 de bois, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Tac, sur toute la carte. Tout autorisé. Voilà. Et géré. C'est bon? C'est bon. On va voir. On va voir. Vous avez vu, je fais un effort. Ça va partir en sucette, hein, mais bon. Vous aimez bien quand ça part en sucette. Hein. Vous savez bien quand il y a des conneries. Ok, ça c'est... Vous avez vu le mode? Et franchement pas mal, hein. Ils ont fait bien en respectant, il n'y en a pas un qui s'est enfermé, ça marche. Ça me va, on les entend chasser comme jamais. On va avoir une alerte qui va se déclencher. Et on va perdre un colon. Qu'est-ce que ça me fait chier qu'ils mettent pas ces armures? Je vais voir ce que vous me dites dans les commentaires. Soit je prends 5 minutes pour tout régler, je gère les tenues, pif paf pouf. On supprime tout, on autorise tout et on autorise juste pantalon, armure, machin, nain. Soit on laisse comme ça et il n'y a pas trop le choix. Je sais pas. Je vais voir ce que vous en pensez. Les pierres aussi, ça a dégagé. Du coup, ça tout a été fondu à la vitesse de la lumière. Et du coup, en acier, on est tellement bien. On a 4000. On a 900. On a 900 parce que j'ai envoyé quelqu'un travailler normalement dans la query. Qui est Robin avec Black Cat. Mais... Ah oui, ils ont la forge, l'artisanat et tout à faire avant. Le minage, ouais, ok. Bon, non, mais c'est normal. Faut laisser le temps. Faut laisser le temps, faut laisser le temps. Vous énervez pas.
Ça, par contre, ça a été fait, ça a été plutôt cool. Est-ce qu'on n'attaquerait pas enfin notre foutu atelier? Qu'en pensez-vous, mes petits amis? Histoire de nettoyer un peu cet endroit-là, qu'on n'en peut plus de voir ça. Hop, 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 hop. On arrive sur combien? 352! Ça commence à être joli, hein. Ça commence à faire des jolies vagues. On est à 56 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'est l'épisode de vendredi, là. On est vendredi 18 juin. Je vais vous le sortir dans l'après-midi. Je vais essayer de le monter tout seul, de le sortir dans l'après-midi. Mais je vais enchaîner tout de suite, là. Je vais me prendre un café. Je vais enchaîner tout de suite par un deuxième épisode. Et du coup, ça sera l'épisode de samedi matin. Donc, vous verrez cette horde. Je vais même pas débloquer comme ça. Vous voyez rien. Oh, vous avez le seum. N'importe quoi, putain, je me fatigue. Donc, ouais, bah voilà. Écoutez, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À me lâcher un petit pouce bleu si l'épisode vous a plu. Et à vous abonner si vous voulez en voir plus. Allez, ciao tout le monde. À demain. Bye.